Salut à tous. Alors aujourd'hui, préparation d'appât. En fait, courant novembre, je vais m'attaquer à une grande gravière d'Île-de-France et je vais essayer d'entretenir une zone pendant à peu près un mois de pêche. Alors pour cette préparation, je vais utiliser la gamme Pacific Tuna en différents diamètres que je vais napper avec deux liquides, le Hot Chorizo Extract et le prédigeste fish afin de réaliser un enrobage. Donc je commence par mettre les liquides. Je remue énergiquement afin d'avoir un liquide parfaitement réparti sur mes appâts. Je laisse les appâts s'imprégner pendant quelques jours. Ensuite, j'ajoute les farines, en l'occurrence du base mix. Je mélange correctement le tout et vous obtenez des appâts enrobés dont les microparticules vont pouvoir se répartir sur votre spot. Alors on amorce. On amorce nos bonnes bouillettes. Elles sont à quoi? Elles sont au thon. La pêche en gravière, c'est comme une partie d'échecs. Il faut composer avec la forte nourriture naturelle, écrevisses, vers de vase, draisienne, et ajuster ses lignes en les plaçant sur des spots propices à la capture de grands poissons. Un repérage minutieux et un amorçage régulier sont sans nul doute la meilleure façon de capturer des grandes carpes. Changement radical de poste pour cette toute fin d'année. Il me reste 3 jours de pêche. La zone que j'ai pêchée tout l'automne commençait à s'essouffler un petit peu. Et surtout avec les chutes des températures qu'on a eues les dernières semaines, l'eau est passée de 10 degrés à 7. Et sur les zones que je pêchais qui me donnaient de bons résultats jusqu'à présent, eh bien, c'était walou. Pas la queue d'un poisson, les spots n'étaient pas nettoyés. Donc j'ai pris le parti là pour mes 3 dernières nuits de pêche de cette année sur cette grande gravière, de partir à l'opposé.
Mighty Curve.